Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette nouvelle run d'inscription. Aujourd'hui, on a encore des nouvelles choses à débloquer. Cette fois-ci, on va faire une run avec une mante. La déesse mante pour être précis. Et ça va être le Skullstorm. Je suis pas sûr d'être chaud, mais on va voir ce que ça donne. Ok, loup alpha et coucou. À défaut de pouvoir réussir, on peut essayer d'avoir le loup alpha et le coucou. Bon, chèvre noire, ça doit servir. Qu'est-ce qui pourrait nous servir d'autre? Le porc épique. Ça. Et on va aller sur les flammes tout de suite pour aller sacrifier notre vert. Je me mets aucune contrainte dans cette run, c'est un Skullstorm, donc tous les coups seront permis pour moi. Voilà, c'était un message à caractère informatif de ma part. Comme ça, vous êtes prévenus. Ok. Donc là, l'espoir, c'est qu'ils rendent les armes. On n'a pas assez de dégâts possibles pour l'instant avec nos unités. Alors il va falloir qu'on fasse 100. Une mante, ça m'intéresse. Une mante sur une déesse mante, c'est un bon combo. Bon. Là, on va voir si c'est des flammes qui tuent et si elles tuent pas. Bon, on va renforcer tout de suite une de nos cartes. Ok. On peut même transformer cette carte en hydre maintenant. On va ensuite se diriger à nouveau vers les flammes. Okay. Bon, on va voir si ces flammes tuent. Ok, j'ai pas été assez rapide. Énorme karma. On n'a aucun espoir de gagner. Et c'est mérité. Aïe 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 aïe. C'était clairement de la triche de toute façon. Ok, mais survie.
On est tellement mort. Le décès imminent. Aïe. On aura lutté jusqu'au bout. C'était la première tentative de Skull Storm. Ok, on vient de faire une run Skull Storm. Et on l'a complètement échoué. On a voulu tricher en plus, ce qui est pas du tout bien. Donc, ce que je propose, c'est de retenter exactement la même chose et voir si on peut mieux s'en sortir cette fois. Fourmis et chien. S'il te plaît, meurs. Oh, let's go. Oh, c'est super. On va pouvoir se diriger sur les flammes tout de suite là. Je suis content. Je suis sauvé même. Allez, on s'en sort comme ça. Et il va falloir qu'on utilise notre item. L'item qui nous reste. On va essayer d'obtenir quelques dents aussi. Ça peut nous permettre d'acheter le couteau au cas où. Là, les flammes sont trop intéressantes, en fait. Carcajou, ça peut servir, oui. Point de vie. La menthe survivra.
Loup géant. Pain des haricots. Fin de la dent. Bon, on va retourner aux flammes encore. Loup alpha. Ouais. Beaucoup, non. Et il y a des items là-bas. On va pouvoir les récup. Je suis content que la déesse Mante puisse nous accorder la victoire. Loup géant. Somme gelée, os. Carcajou sur la déesse Mante. Elle va se renforcer comme ça. On affronte le trappeur. Ouh. Ça va pas du tout là. Ça allait un peu vite, mon coco. Je suis dans la merde. On va essayer de recommencer le combat. Peut-être qu'on a mal évalué. Il faut que la Mante puisse faire 12 dégâts. Ça va être une possibilité. On est capable de le faire aujourd'hui. Ça, c'était peut-être pas nécessaire. Non. On était sur la bonne voie. Allez, on recommence quand même. Je suis persuadé d'avoir la solution quand même. À 10.
ça ici, ça et ça ici. C'est bon, on a la solution. C'était résolvable. On va pouvoir avancer. 52 dents. Je vais câbler, c'est énorme. Ok. La pie, on n'en a pas déjà une? Si, on en a déjà une. La moufette, ça peut servir. Je vais aller là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut sacrifier quelque part? Une pie sur une larve virevoltante. On peut le faire là-bas, ouais. Je vais... item, ça va être important ça. Le trappeur devait être le boss le plus dur, je pense. À moins que le pêcheur, ça peut être le pêcheur ouais, aussi. Faut qu'on combine nos loups géants. Il me faut absolument la pie sur la larve virevoltante. Je vois ça comme une urgence maintenant. Et il a un nouveau couteau à vendre ou c'est moi? Non, c'est le premier que je prends de la partie. De toute manière, combinaison de loup géant maintenant. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de les renforcer sur les flammes, si on tombe sur des flammes. Ma déesse monte. Vas-y, mantis monte. Mantis monte. Très fort. On va pouvoir se débarrasser de la fourrure. Prometteur. Le grizzly, c'est bien. Mais le louveteau, c'est bien aussi. On a un chemin tout tracé. Hop là, pie sur larve virevoltante. Et maintenant, c'est la moufette qui pose problème. Maudite sois-tu, moufette. Castor. Et là, nos flammes, on peut, si c'est des dégâts, le mettre sur le loup géant, qui devient une deuxième win condition. Et une essentielle, qui plus est. Après, il faut trouver les moyens de la jouer, cette carte. En avant pour l'affrontement contre le mineur. Toujours compliqué d'affronter des mineurs.
Ok. Là, comme ça, on va avoir quelques ressources qu'on peut récupérer avant le combat. Ce qui va être forcément nécessaire. Puisqu'il va falloir qu'on joue notre loup géant. Ça, par exemple. Voilà. C'est ça qu'on veut. La double attaque, c'est God Tier. Loup alpha. Pour le mettre sur quelque chose, j'imagine. La moufette, par exemple. Ou alors juste le jouer tel quel. Ou alors juste le sacrifier. Non, c'est mieux de sacrifier la moufette, je pense. Mais je pense peut-être mal. J'ai bien envie de voir ce qu'il peut nous proposer ici. Il nous fera pas gagner. Moufette, tu vas disparaître. Ou alors c'est un loup alpha qui va disparaître. J'aurais pu les combiner plus haut après. Dans tous les cas, il faut qu'on survive jusqu'à ce qu'on obtienne notre loup géant, qui est notre win condition. La plus simple à utiliser. La plus concrète. Bon, là, j'ai pas envie de gagner. En revanche, il nous faudrait un totem pour ces petits animaux. Un emblème merdique. L'autre l'était aussi. Peut-être j'aurais juste dû prendre la tête d'insecte. Je crois pas que j'ai de fourrure, non. Me manque une fourmi quand même pour la peinture. Peut aller aux flammes. Là, peut-être qu'on sera forcé de gagner. J'y croyais pas. Point de vie. Qui aurait besoin de points de vie ici? Encore plus de flammes. Tant que je commencerai avec la larve virevoltante, tout ira bien. C'était un très bon move de mettre la pie dessus. Un lézard, ça c'est bien. On peut mettre plein de choses sur un lézard. Et ça bloque vraiment bien. Si je le renforce, ça me fera même un double bouclier. Mais pourquoi faire ça? Parce qu'on peut le faire. Loup alpha sur le castor. Presque utilisable. Non, c'était un mauvais move, je pense. Il s'est sauvé. C'est bon. On est tranquille. Et boum.
Il n'en revient pas, ses yeux. Pauvre Léchi. Ruche. Wow, et ben on est rendu au pirate. Hop là. Faut pas que la ruche finisse n'importe où. Donc je propose de la mettre sur le lézard. Ou alors d'aller juste avoir un meilleur totem. Tous les coups sont permis. Ça me sert à que dalle ces machins. Ruche sur le lézard. Et on est parti pour le combat de boss. Hein, c'est très étrange. Bon, allons-y pour cette fois. Yo-ho-ho! Est-ce que c'est... Je crois que je suis en train de rêver. Je suis redevenu le plus grand pirate des sept mers, avec mon scorbut. Garde-vent! Je vais pas crier, il est tard. Super. Abeille ici. Non, bouffette. Ça fait le même résultat. Oi, oi, oi. Il a pas encore tiré, c'est ça. Merde. Hein? Parbleu, mon bateau est infesté de rongeurs. Yes, super. Super cool et tout. Bon. Bah, j'espère que ça suffira. Hein. J'aurais aimé renforcer la menthe, mais j'ai pas pu. C'est la fin des oranges! Tonnerre de Brest, tu m'as presque eu. Mais j'ai un dernier tour dans mon sac. Ça suffit. Mon équipage, c'est le meilleur des sept mers. Mes fidèles squelettes ne me lâcheront jamais. Ouais, on va voir ça. Déjà, on va tripler nos dégâts. Ah, c'est la goutte d'eau qui fait couler le bateau. Ouais. Comme il dit.
Desmond va crever. Quelle tristesse. On espère qu'elle aura pu carry le combat jusque-là. J'aurais bien voulu garder mon loup aussi. Bon. Il faut au moins un tank de dégâts. J'ai pas pu lire, mais c'est pas grave. Ok. Et bah, c'est mort. On va recommencer le combat. C'est pas possible que ça se termine comme ça. Je me permets. Hein. Hein? C'est très étrange. Bon, allons-y pour cette fois. Yo-ho! Est-ce que c'est... Je crois que je suis en train de rêver. Je suis redevenu le plus grand pirate des sept mers avec mon scorbut. Pirate ASMR. Garde-vent! Bon. On va jouer ça bien. Ha ha ha, visez! Ouais ouais, visez. Vous en aurez besoin. C'est terminé. La déesse Mante a pu se renforcer. Hein? Parbleu, mon Parbleu, mon bateau est infesté de rongeurs. Peu! Normalement, ça tire pas, et ma déesse Mante est renforcée correctement, donc on va pouvoir enchaîner vers la suite du combat. C'est la fin des oranges! Tonnerre de Brest, tu m'as presque eu! Mais j'ai un dernier tour dans mon sac. Tu m'en diras tant. Ça suffit. Mon équipage, c'est le meilleur des sept mers. Mes fidèles squelettes ne me lâcheront jamais. Comme il dit. Évidemment, c'est vrai. Son fidèle équipage ne le lâchera jamais. Au grand jamais. À moins qu'ils en aient envie. Ah, c'est la goutte d'eau qui fait couler le bateau. Adios l'équipage, j'ai besoin de dégâts et vous me les accordez pas trop. Mais bon, le castor va aider la déesse Mante, ça c'est déjà pas mal. Et là on est bon. C'était faisable quoi. J'avais juste pas super bien joué. Le limon de Cello, touche écoulé. 1000 tonnerres de Brest, battu par un misérable éléphant comme toi. Eh oui, je suis gros. Garde-vent. Adieu. Et voilà, chers amis, c'était
la fin de cette aventure, Skullstorm et tout. Je compte essayer avec chaque deck, mais je garantis pas des réussites complètes à chaque fois. Il y aura toujours des erreurs commises. Faut savoir que je tourne ça le soir, là où il y a la tranquillité. Et je m'excuse pour ceux qui aimeraient pouvoir mieux entendre. Je fais en sorte de booster ma voix au montage. Je crois que ça aide pas mal. De toute façon, je regarde toujours toutes mes vidéos. Je suis mon premier fan. Bah, c'est un contenu que j'aime bien produire. J'espère que ça plaît à certains aussi. En tout cas, si vous voulez un gameplay plus dynamique, peut-être en anglais, vous pouvez toujours regarder Sift. C'est avec lui que j'ai appris plein de choses sur comment jouer. Il était plutôt fan des DS Mantes et tout. Et bon, c'est terminé comme ça. En tout cas, avec ça, on débloque l'entrée 11. Et c'est ça qui nous manquait. Personne va jamais jouer à cette version du jeu. Et vu ce qui se passe, il est possible que personne joue même au jeu original. Mais je me permets de rêver. Des milliers de personnes y jouent et l'adorent. Elles aiment tout y jouer pour des raisons différentes, et elles aiment même ses imperfections. Elles font même des dessins et composent des musiques sur le jeu, ce qui me fait voir mon propre travail d'une manière nouvelle. Mais même un simple commentaire peut avoir le même effet. Je sens que tout le travail que j'ai accompli produit enfin quelque chose. Je leur en suis tellement reconnaissante. Bon, il faut que je termine le défi poisson-écureuil. J'irai peut-être à Comics Land plus tard. Ok. Bah c'est ça l'entrée qui nous manquait. Et victoire. Merci à Daniel Mulin pour avoir créé le jeu quand même, c'est un truc de dingos. On se retrouve très bientôt pour un prochain défi sur inscription Cases Mod. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. On se dit à une prochaine. C'était Linux Player. Salut.